parc de contention complet, composé de deux couloirs de tri, facilite les manipulations des jeunes ovins et des adultes. Nous nous centrons ici sur le parc destiné aux agneaux. Le parc est abrité et positionné à côté des parcs d'engraissement dans une bergerie. Les couloirs ont été construits avec des planches de coffrage de 27 mm et les clés amovibles ont été fabriquées avec des panneaux en aggloméré marine et plastifié. Le couloir réservé aux agneaux mesure 6 mètres de longueur avec deux anti-reculs et une cage avec un système de sortie 3 voies. La cage de tri permet de peser les agneaux et de les enregistrer grâce à un système de lecture électronique avec une antenne. Ce système de pesée est compatible avec les logiciels de gestion du troupeau. En termes d'amélioration des conditions de travail, les éleveurs ont fait le choix de cet investissement pour faciliter l'avancée des animaux de leur plein gré et sans interruption. En matière d'avantages, cette technique permet à une seule personne de trier les animaux. Elle limite les demi-tours des agneaux et elle permet une pesée compatible avec un logiciel éleveur. Les aires de stockage et d'attente sont les mêmes pour les brebis et les agneaux, et le nettoyage est facilité. En termes de limites, il faut noter que cette technique impose une surface immobilisée de 200 m² en bergerie, qu'il n'y a pas de possibilité de peser les brebis, que le coût pour un équipement complet est élevé et qu'il faut avoir un troupeau important pour l'amortir.